On a travaillé un début de concert assez incroyable, parce qu'à un moment donné, je vais dire bonsoir, et puis ça va déclencher un stimulus dans le cerveau du batteur qui va faire l'intro. Et du coup, pour l'instant, je ne peux pas vous dire bonsoir à cause de ça, parce qu'on va juste regarder si tous les instruments, parce que si je le dis, évidemment, ça déclenche tout. Tout ça va, tout marche, ça a l'air bien, oui. Ça m'a l'air pas mal. Et bah alors, bonsoir. Comment votre main par instant modulait le son de la modulation, votre main fouillant Michoko boîte à gants, votre main dans mon cou. J'aimais votre visage à la lumière du péage, aimais cette discussion sous le panneau des directions. J'aimais vos théories sur les autoroutes la nuit, j'ai aimé dormir chez vous. J'ai aimé comment vos yeux de temps en temps suivaient le chemin, un doigt sur le Michelin, vos yeux démasquants une sortie Montauban, vos yeux près des miens flous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors, comment ça va? Oh, ça va bien. Vous êtes content? Très. Normalement, dans un concert, il y a un rappel. C'était pas prévu. Fanny Ardant. Vous allez en faire un? Allez, d'accord. On en fait un? Allez. Vincent Delerme. Il vous en manque un. Ah bah deux, il en manquait deux. Elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain. Pendant qu'elle mate le papier peint, on est resté indépendant. Moi et Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère. Entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche, depuis que je la traîne chez mes parents, tous les week-ends, Fanny Ardant, on écoute. Vous êtes éclaté là. Belle première. Vous êtes fan de... Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis je suis content qu'on ait fait cette formule, c'est très chouette. Et donc tous les mois ça va continuer comme ça? On fait une par mois, la prochaine c'est Yael Naïm, et puis après je crois que c'est encore une surprise. Ok.